Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est le tuto Fimo du Donut Smiley. Voilà, donc ça va donner ça au résultat, donc c'est en 3D avec de la Fimo liquide. Donc si ça vous plaît, regardez. Alors pour ça, nous aurons besoin de Fimo beige numéro 45, de Fimo soft numéro 16 tournesol, d'un doodling tool, d'une lame de cutter ou alors d'un couteau, d'une paille pour faire le trou du donut et de pastel sèche. Alors pour commencer, nous allons prendre notre Fimo et la malaxer. Donc moi je l'ai malaxée avant, donc maintenant elle est bien chaude. Et nous allons faire la forme du donut. Alors nous allons faire un rond, un cercle, que nous allons écraser un petit peu comme ça. Et faire une sorte de dôme en fait au sol, donc un rond arrondi en fait, voilà comme ça. Donc quand nous avons cette forme là, nous allons prendre notre paille et faire le trou au milieu du donut. Voilà, et nous allons enlever donc la chair qui est coincée dans la paille, donc ça doit nous donner ça. Ensuite, nous prenons notre Fimo jaune et nous allons en prendre un petit bout, donc vraiment pas beaucoup. Et nous allons la malaxer. Donc voilà ce que ça donne quand c'est malaxé. Et nous allons l'aplatir en formant une sorte de rond en fait. Donc voilà, donc assez plat, lisse. Pas trop grand, donc pour pas que ça dépasse du donut, parce que ça reste quand même bien quoi. Donc si vous en avez trop, bah, vous en enlevez et vous faites pareil. Voilà. Jusqu'à temps à obtenir un rond soit en forme de fleurs, enfin si vous avez des emporte-pièces, vous pouvez le faire. Ou alors ça peut être un peu déchiré sur les bords, et justement ça va rendre pas mal sur. Le donut, voilà, donc comme ça, et vous allez le poser sur le chapeau du donut, comme ça, et normalement ça devrait vous donner ça. Et ensuite vous allez reprendre votre paille et vous allez refaire donc le trou où vous avez déjà fait votre trou, et ça devrait vous donner ça. Voilà, donc ensuite, dès que vous avez ça, vous allez prendre votre doodling tool et faire la forme donc, des yeux et de la bouche. Donc moi, je vais faire les yeux en forme de cœur, donc pour le smiley cœur, parce que comme j'avais déjà fait l'autre, bah du coup, je fais celui-là. Et je vous montre ce que ça donne quand j'ai fini. Voilà ce que ça devrait vous donner si vous faites comme moi. En 3D, donc c'est creux. Et là, nous allons prendre notre lame et gratter pour les yeux la couleur rouge. Donc, nous allons tout simplement prendre notre pastel sèche et gratter un petit peu de pastel sèche avec votre lame. Et nous allons la mélanger avec la Fimo liquide. Et ensuite, nous allons remuer avec le doodling tool. Voilà. Il faut bien remuer. Et ensuite, quand vous avez remué, vous prenez un peu de cette Fimo liquide que vous versez durant les trous du cœur, donc pour que ça ressorte et pour que ça donne de la couleur, car quand la Fimo liquide va au four, ça durcit, donc ce qui fait que ça fait un effet 3D en fait. Et vous remplissez les deux yeux comme ça. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, nous allons tout de suite passer à la bouche. Que nous allons. Moi, je vais faire ça en vert. Donc, vous pourrez prendre les couleurs que vous voulez. Hein. Ça correspond pas, mais j'ai envie de le faire en vert. Voilà, vous faites pareil que l'autre, vous grattez avec
avec la lame et vous ajoutez un petit peu de fimo liquide sur votre pastel sèche et vous mélangez avec votre doux tinto. Ensuite, vous remplissez pareil que pour les yeux, même procédé, la bouche. Voilà. Donc, vous essuyez. Et ça va vous donner un beau résultat comme ça. Ensuite, nous allons passer tout de suite au joues. Nous allons prendre du rouge foncé. Donc, moi, je vais prendre le même que pour mes yeux. Et nous allons tapoter au niveau des joues, donc du smiley. Et ensuite, vous allez vous essuyer les mains et estomper la couleur. Voilà ce que ça devrait vous donner. Donc, peut-être que les joues sont un petit peu trop rouges. Mais je trouve ça quand même super mignon. Ensuite, vous pouvez ajouter une breloque ici donc pour attacher votre smiley ou faire un porte-clés, en bague, comme vous voulez. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez-la, mettez un commentaire, abonnez-vous. Voilà. Salut, bye.